يا من له صدري وكل شكايتي وبقربه كم تنجلي أشجاري. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Chers frères, chers sœurs, salam alaykum wa rahmatullah. Nous allons continuer, inshallah ta'ala, cette série sur l'amour du messager sallallahu alayhi wa sallam. Mieux connaître notre messager pour mieux l'aimer, pour mieux s'identifier à lui, pour mieux se comporter comme lui. Car aimer comme le prophète, agir comme le prophète, sentir comme le prophète et se comporter comme lui, c'est se laisser pénétrer d'amour, c'est goûter la douceur de la voix et c'est éradier l'amour. Vous savez, chaque chose qui est liée au messager sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala l'élève en degré. Chaque chose qui est liée au messager, à chaque fois que le messager est dans une entreprise, Allah subhanahu wa ta'ala l'élève. Mecca, la ville, la Mecque, était connue avant même la venue du messager. Était vénérée, était connue. Mais le messager, Allah subhanahu wa ta'ala, a cité la Mecque dans le Coran, a juré par la Mecque dans le Coran, parce que le messager est né à la Mecque. Dans le verset coranique, la uqsimu bihad al-balad, en parlant de la Mecque, wa anta hillun bihad al-balad. Allah subhanahu wa ta'ala a juré par la cité, parce que le messager est issu de cette cité. Al-Madina, qui s'appelait Yathrib, avant la venue, avant la hijra du messager, et après s'appelait Al-Madina al-Munawwara, parce que la ville éclairée, la ville illuminée, parce que le prophète l'a illuminée, l'a éclairée par sa présence. Al-Masjid al-Aqsa, la mosquée al-Aqsa, en Palestine, à Jérusalem, qui est aujourd'hui sous l'emprise de la colonisation israélienne, a été cité dans le Coran, a été rendu parmi les trois endroits que le fidèle est amené à accomplir un pèlerinage. Il y a la mosquée Al-Aqsa. Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité dans le Coran, dans sourate Al-Isra. Pourquoi? Parce que le messager y a fait son voyage nocturne. Subhanalladhi asra bi'abdihi min al-masjid al-haram ila al-masjid al-Aqsa. Gloire à Dieu qui a fait voyager son adorateur de la mosquée sacrée, la Mecque, à la mosquée Al-Aqsa, à Jérusalem. Pour nous, aujourd'hui, si nous voulons évoluer dans notre foi, si nous voulons sortir de la situation critique dans laquelle se trouve la communauté, nous n'avons qu'un seul chemin. C'est de revenir à notre référentiel spirituel. C'est de revenir au messager, sallallahu alayhi wa sallam, pour s'élever moralement et spirituellement. Et pour cela, il y a un hadith authentique qui confirme ce que je viens de vous dire, rapporté par l'imam Bukhari, par l'imam Muslim, son Abdullah ibn Abbas. Un homme est venu voir le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit au messager, je vis hier en songe, cette nuit je vis en songe, dhullatan, ça veut dire un nuage. Et un nuage qui faisait tomber des gouttes de miel et de beurre. Et que les gens commençaient à collecter de ce beurre et de ce miel. Certains ont collecté davantage que d'autres. Et puis, il y avait une corde qui liait ciel et terre. Tu y as saisi la corde et tu étais élevé. Une personne après toi a saisi la corde et s'est élevé également. Un troisième a saisi la corde, il s'est élevé aussi. Mais un quatrième, il saisit la corde s'est rompue et puis il s'est raccordé et s'est élevé. Abu Bakr Siddiq qui était là, en entendant ces paroles, il dit, par Dieu messager, laisse-moi interpréter ce rêve. Pour ça, il a dit, vas-y. Il a dit, Abdullah, le nuage qui nous ombrage, c'est l'islam, c'est la bonté de l'islam, c'est les bienfaits de l'islam. C'est quelque chose qui nous protège, c'est quelque chose qui nous ombrage, c'est quelque chose qui nous contient. Ce qui coule comme goutte de miel et de beurre, c'est le Coran, sa beauté et sa douceur. Et les gens qui ont collecté davantage que d'autres, c'est les gens et leur comportement vis-à-vis du Coran. Et ceux qui en prennent tout le Coran, qui adhèrent complètement, qui épousent le message dans sa globalité, il y a ceux qui sont dans une relation à la carte avec le Coran. Je choisis ce qui m'intéresse.
Et puis la corde qui lie ciel et terre, c'est ta voix. Al-Haqqulladi Antahale. Quiconque, tu saisis la voix et Dieu t'élève moralement et spirituellement. Et quiconque après toi saisit cette corde, saisit ta voix, emprunte ta voix et s'inscrit dans ta démarche, s'inscrit et t'imite sincèrement. Allah subhanahu wa ta'ala l'élève moralement et spirituellement. Qu'Allah Azza wa Jalla nous permette de suivre sincèrement, d'imiter sincèrement le messager sallallahu alayhi wa sallam. Pas seulement une imitation extérieure des gestes des prophètes. Il faut la sympathie des cœurs aussi. Le modèle est aussi modèle de comportement. Qu'Allah Azza wa Jalla nous permette d'imiter sincèrement le messager et d'appliquer, de vivre le message comme il se doit. قلوا استغفر الله صلاتكم الله تعالى جعلنا وإياكم من الصادقين والسلام عليكم ورحمة الله يا ربي إني قد رضيت بكل ما قد ذقته من لوعة الحرمان فاكتب بجنات الخلود